C'est Eden Hazard et Yanis Alibur. Tout de suite au premier entraînement, tu comprends. Les deux, c'était deux phénomènes. Et pour moi, Eden, en fait, il a fait une interview là, pour moi, qui lui a collé à la peau, je trouve. Il a dit qu'il n'aimait pas s'entraîner. Et en fait, en disant ça, ça a ouvert la porte à tout, en fait. Ne pas aimer s'entraîner, ça ne veut pas dire que tu ne t'entraînes pas, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que. C'est juste que lui, il préfère la compétition, il préfère les matchs. Mais ça, c'est comme. C'est le calque de 90% des joueurs. Voilà, exactement. Parfois, sur des séances, tu peux te dire qu'il peut faire plus. Mais voilà, il n'était pas là à marcher sur les séances, tu vois ce que je veux dire? C'est un amoureux du ballon. Puis les séances vont tourner autour du jeu, du ballon, et puis il va être là, et puis il va kiffer. Franchement, il n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu deux, trois petits événements. Je suis cette interview, la fois où je pense qu'il se prend la tête avec le sélectionneur et qu'il va manger un sandwich là, à l'issue du match. C'est juste ces deux trucs pour moi, ça, les mecs, ils ont surfé dessus, hein. Ils ont Ouais, surfé bah ça. dessus. On oublie tout vite. Mais les gens, ils ont oublié que c'était à un moment donné, c'était. Voilà, à un moment donné, sur des périodes, Pour c'était le meilleur joueur moi, du monde.